Quoi? Une PSP. Alors, vous pouvez voir, elle est en presque en excellent état. L'intérieur est en excellent état. Et je vais vous montrer les jeux que j'ai eu avec GTA Vice City Stories, Les Sims 2 Animaux, Prince of Persia Révélation, Ace Combat X, Skies of Deception. Il est complet avec la notice. Le CD est en excellent état. Oh putain, ça me fait chier. Voilà. Ça me fait chier. C'est Platinum la boîte ? Oui. Deuxième jeu, Capcom Classics Collection Volume 1 Remixed. Après, vous avez un jeu spécial à la fin. Complet avec la notice. Il y a un jeu assez spécial à la fin. Comme on n'a jamais joué. Le CD il est en parfait état. Vite, dépêche-toi alors. Après nous avons MotoStorm Arctic Edge. Par contre là il y a un sticker de chez Cash Converter qui est dégueulasse. Comment tu sais que c'est chez Cash Converter? Bah regarde, c'est marqué là. Ah ouais. Celui-là aussi il est complet avec sa notice. Ça va, il est en bon état, il a quelques rires. Après nous avons Star Wars Left Fall Alliance en platinum complet. Et après ça, nous aurons des jeux PSP sur le CD. Il est en parfait état. Après, nous avons des jeux PSP essentiels. Il reste deux jeux. Nous avons Gran Turismo. C'est bon, c'est caché. Ils ont pas vu. Complet. Pareil, le CD il est en parfait état. Et nous avons un jeu. Nous avons un jeu Full Blister. Qui est SSX. SSX On Tour, comme vous pouvez voir là. On avait déjà joué, non? Non. Je me rappelle, on avait joué. Bon, celui-là, on le regardera à la fin. On se retrouve tout à l'heure pour le test de tous ces jeux sur la PSP. D'abord, je vous montrer l'interface, comment elle est. Ne vous inquiétez pas, c'est tous les deux. Alors, écoutez. Donc les amis, ne vous inquiétez pas, on va jouer tous les deux. On est de retour pour tester le premier jeu, Gran Turismo, sur la PSP. Je sais pas dans quel sens faut l'insérer. Je crois que c'est de ce sens-là. Vous nous dites. Oh, regarde. Start.
Je m'en souviens de ce circuit, je l'avais fait dans Gran Turismo 4 sur la PS2. Je l'avais fait sur la PlayStation 2, ce circuit. Oui, non, moi aussi, je me rappelle. La télé, elle est assez grande. Ça, c'est la voiture que tu vas acheter à l'avenir, c'est ça? Ouais. Quand je serai un peu plus grand. Hein. Ça m'énerve, mon visage, il me gratte. Faut que je te gratte? Non, non, c'est bon. Je vais à presque à 200 km/h. Avec une mille mouvements. Mille mouvements. Je vais aller à 198 km/h. C'est pas beaucoup, mais. Avec ça peut aller. Ça, c'est une PSP Street 1004, je crois. Allez, 200 km/h. Avec une Mini Cooper. Aïe. Oh merde. J'ai frôlé. Ça peut être perturbé. Ça va, les graphismes sont bien, franchement. Surtout, vous voyez l'ombre là à gauche qui est là. Ils sont pas excellents, mais ils sont bien. Bien, oui, oui. C'est un peu comme la PS2. Oui, c'est un peu c'est un mélange entre la PS2 et un peu la PS3. En fait, les jeux qui sont sortis sur PS2, comme par exemple Colin McRae Rally 2005, ils sont sortis sur cette console aussi. Et sur la PS2, sur la Xbox. Et les graphismes sont un peu améliorés. Et l'interface est à peu près la même que la PS3, que la console PS3, ma console préférée que je possède déjà. Il peut aussi avoir des jeux PS3. Oui, c'est possible. Allez. Bon, allez. Allez, on va quitter. Ça fait trop loin. Soit qui va tester Capcom Classic Collection. C'est juste moi qui va mettre le CD dans la console. On voit, hein, à chaque jeu, c'est obligé qu'il y ait une musique. Hein. Okay. Sinon, c'est pas bon aussi. Plus. Allez, tu peux t'en pousser. Maman. What the fuck? Ok, man. Centre bien la PSP au milieu. Attends, c'est quoi, regarde. What the hell, man? J'arrive pas à les taper. Tu ne tiens pas la part dans le bon sens. Ça doit être pile au centre, sinon je vais pas faire de faire la vidéo. Mec, c'est chaud. Ah bah, game over. En fait, c'est la compilation des jeux d'arcade de Capcom, quoi. Donc là, en fait, c'est juste on peut taper et tout. Mais non, pas toi! Man! Me casse! C'est impossible à gérer. Hein. Ouh! Je m'ai encore attrapé. On va tester GTA. GTA Vice City Stories. Je connais pas du tout le jeu. Donc on va voir est-ce qu'il est bien ou pas.
Wow. Oh, je fais déjà le con. C'est parti. Bon, oh, pousse-toi. Oh, ouais, genre, je suis un Sims. On peut pas changer. Non, ça fait combien de temps? Bon, là, ça fait 4 minutes 30. Hein, encore 30 secondes. Juste le temps de chargement. Genre là, je contrôle un Sims. Encore un petit peu, ensuite c'est bon. Je me casse. Allez, bye. Je suis un chat. Bonjour. Mais d'accord. Ouh, cool. Hein. En fait, c'est juste que tu peux te balader en étant un Sims. Stoumen ! Tout ce que tu peux faire, ça fait 5 minutes 15. C'est bon, là, t'as assez testé ? Je viens juste de commencer, qu'est-ce qui se passe ? 5 minutes, c'est le grand maximum, je t'ai dit. On se retrouve enfin pour le déballage de SSX en tour sur la PSP. SSX, sa mère. D'accord, allez. On déballe. Chut. Ok, allez. Soit que ferme la porte, ensuite on peut commencer. Pas de bruit, d'accord, pendant le moment où je déballe. On l'a ouvert. C'est des troublants. Hein. Très déçu. Merci d'avoir regardé ce test de console PSP que j'ai pris aujourd'hui. Et merci d'avoir regardé le test de tous les jeux. On se retrouve à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao les potes!